Je crois à la Sainte Église catholique, dogme rempli de vérité qu'il nous faut continuer à considérer. L'Église catholique, avons-nous dit, c'est une société hiérarchique, mieux encore, avons-nous dit, c'est une société monarchique qui, à sa tête, a un pasteur suprême. Il nous faut maintenant considérer, après avoir étudié la dernière fois les membres de l'Église, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à l'Église, il nous faut, pour cette fois-ci, considérer la hiérarchie de l'Église, ce que l'on appelle aussi la constitution de l'Église. L'Église est un corps social, c'est un corps hiérarchique. Il y a donc une autorité dans l'Église. Quelle est-elle? En quoi consiste-t-elle? Finalement, on distingue dans l'Église ceux qui ont l'autorité et ceux qui n'ont pas l'autorité. On dirait en philosophie le côté actif et le côté passif, où on dit aussi l'Église enseignante, et le mot enseignante indique l'acte et donc l'autorité, et puis l'Église enseignée, c'est-à-dire celle qui reçoit et qui se dispose et qui est disposée même par l'autorité pour être sanctifiée et enseignée. La hiérarchie, c'est précisément l'Église enseignante. Simplement, c'est ici que cela devient un peu plus difficile, même compliqué, parce qu'on pourrait dire qu'il y a comme, et il y a en réalité même une double hiérarchie dans l'Église. Alors c'est difficile parce qu'elles sont distinctes, et il ne faut pas les confondre, mais concrètement, elles s'entremêlent l'une l'autre. Distinguons-les tout d'abord. Il y a une double hiérarchie. Il y a d'abord une hiérarchie fondée sur le pouvoir d'ordre, car vous vous souvenez, notre Seigneur a donné à ses apôtres une triple mission auquel il a attaché trois ordres, trois pouvoirs. Donc il y a une première hiérarchie qui est fondée sur le pouvoir d'ordre, qui est le pouvoir de sanctifier l'ordination. Et là, on distingue les évêques qui ont la plénitude de l'ordre, des prêtres qui ont le sacerdoce et qui peuvent vraiment consacrer, mais qui n'ont pas la plénitude du sacerdoce. Et en dessous du prêtre, on distingue encore les différents ministres de l'Église. Voilà donc pour cette hiérarchie fondée sur le pouvoir d'ordre, le pouvoir de sanctifier. Il y a les évêques qui ont la plénitude de l'ordre, et les prêtres, et tous les autres ministres. L'autre hiérarchie est fondée, elle, sur le pouvoir de gouverner et d'enseigner. Et c'est celle-là que nous allons considérer plus principalement, parce que c'est elle qui fait la constitution de l'Église, puisqu'il s'agit de gouverner. Et donc c'est là qu'apparaît davantage la hiérarchie. Mais cette hiérarchie ne nie pas pour autant l'autre hiérarchie. La hiérarchie fondée sur le pouvoir de gouverner, sur le pouvoir d'enseigner, se distingue entre, d'une part, le pape et, d'autre part, les évêques. C'est eux l'Église enseignante, c'est eux la hiérarchie. Les prêtres et les fidèles appartiennent à l'Église enseignant, encore que les prêtres aient une mission qu'ils tiennent directement de leur évêque, ce que n'ont pas les fidèles. Donc les prêtres sont, peut-on dire, un peu à cheval, mais dans le pouvoir que l'on appelle le pouvoir de juridiction, qui est un pouvoir de gouverner, un pouvoir d'exercer légitimement une fonction spirituelle, il y a le pape d'une part, les évêques d'autre part. Et voyez, c'est là qu'il ne faut pas confondre, parce que tout à l'heure, en parlant de la hiérarchie d'ordre, de sanctifier, on parlait des évêques d'une part et des prêtres d'autre part. Et quant au pouvoir d'ordre, le pape n'a pas plus de pouvoir que les autres évêques. Quant au pouvoir d'ordre. Mais quant au pouvoir de gouverner, là on distingue d'une part le pape, qui a un pouvoir plus grand, un autre pouvoir, peut-on dire, et les évêques, qui ont un autre pouvoir que celui du pape. La constitution de l'Église repose sur le pape et les évêques, eux-mêmes étant en dépendance du pape. Le pape, appelé le pasteur universel, le Saint-Père, qui est aussi l'évêque de Rome, le pape, a un pouvoir universel. C'est-à-dire qui s'étend sur l'univers. Attention, il faut bien le comprendre. Le pape n'a pas un pouvoir sur l'univers entier, en ce sens qu'il pourrait faire tout et n'importe quoi sur l'univers.
Quand on dit qu'il a un pouvoir universel, il a un pouvoir universel sur tous les membres de l'Église. À proprement parler, le pape n'a pas de pouvoir sur ceux qui n'appartiennent pas à l'Église. Ils n'appartiennent pas à sa société. On n'a de pouvoir que sur sa société. Donc le pape a un pouvoir universel sur toute l'Église, et ce pouvoir, il le tient de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, tout comme Saint-Pierre le tient de notre Seigneur. Le pouvoir du pape est donné par notre Seigneur. Certes, dit-on, et on le voit, le pape est élu par un collège de cardinaux. Ils se réunissent quand un pape est décédé, les cardinaux se réunissent et élisent un nouveau pape. Ce collège, on l'appelle le sacré collège, ce sont les cardinaux. Et les cardinaux, ce sont les conseillers du pape, qui sont évêques ou qui peuvent ne pas être évêques d'ailleurs. Les cardinaux, c'est ce collège qui vient aider le pape dans ses fonctions. C'est le conseil du pape, si l'on peut dire. Les cardinaux, donc, se réunissent et élisent un pape. Mais ce ne sont pas les cardinaux qui donnent au pape son autorité. Ce ne sont pas les cardinaux qui délèguent au pape quelque chose de leur autorité. Pas du tout. L'Église n'est pas une démocratie. Elle est une monarchie. Et l'autorité du pape vient de Dieu. C'est-à-dire que les cardinaux désignent un candidat, le candidat accepte ou non cette désignation, et quand il accepte, il reçoit l'autorité, non pas des cardinaux, mais de Dieu lui-même, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en fonction de cette autorité qui lui vient d'en haut qu'il devient pape, et c'est alors que les cardinaux, c'est comme cela que ça se passe dans une élection papale, les cardinaux viennent se prosterner et reconnaître l'autorité supérieure du pape. Le pape n'est donc pas le simple égal de tous les autres cardinaux et encore moins des évêques. Le pape n'est pas, comme on dirait, un primus inter pares en latin, c'est-à-dire la papauté n'est pas une primauté d'honneur parmi des égaux. Vous voyez, nous sommes tous égaux autour d'une table et il y en a un auquel on donne un certain honneur, une certaine primauté. Mais en réalité, nous sommes tous égaux. Non, le pouvoir du pape n'est pas à égalité avec le pouvoir des évêques. Le pouvoir du pape est supérieur à celui des évêques. Et nous l'avions évoqué dans un cours précédent, lorsque notre Seigneur dit à Saint-Pierre, « Paix mes agneaux, pour tout l'ensemble des fidèles, paix mes brebis, à la fin. » Soit le pasteur des pasteurs, soit le pasteur des évêques. Le pape a, sur les évêques, une véritable autorité. Il en est leur chef. Voilà donc pour ce qui constitue le chef de l'Église catholique, le pape. Dans cette autorité de juridiction, fondée sur le pouvoir de gouverner et d'enseigner, nous avons dit qu'il y a d'une part le pape et d'autre part les évêques. Les évêques ont dans l'Église une véritable autorité. Ils sont les successeurs des apôtres en tant qu'évêques. En étant les successeurs des apôtres, ils ont un véritable pouvoir de gouverner dans l'Église, mais attention, ce pouvoir est une dépendance. Ils tiennent leur pouvoir du pape. C'est-à-dire que le pape, qui a un pouvoir universel sur l'Église, confie une partie de ce pouvoir à un évêque en lui attribuant un diocèse, c'est-à-dire une portion de son troupeau. Ainsi donc, l'évêque a un pouvoir qui lui vient directement du pape. Il tient son autorité dans son diocèse du pape. Bien sûr, dans son diocèse, l'évêque est le législateur. L'évêque est le véritable régent de son diocèse. Mais attention, il tient son autorité du pape, en dépendance du pape. Et il est important de le souligner parce que l'évêque n'a donc pas le même pouvoir que le pape. Voilà pourquoi, d'abord, un évêque n'a pas le pouvoir de s'attribuer n'importe quel gouvernement. Justement, si un évêque s'attribuait par lui-même une portion de gouvernement, il deviendrait schismatique. C'est-à-dire qu'il se couperait de l'autorité du pape. C'est cela, le schisme. C'est quand on s'attribue un gouvernement en dehors de ce que le pape donne. C'est-à-dire qu'on ne met pas son pouvoir de gouverner dans la dépendance de celui du pape et donc de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors, un évêque qui chercherait cette indépendance en matière de gouvernement, c'est entendu, eh bien cet évêque deviendrait schismatique. Il se couperait de l'Église, tout simplement. Donc l'évêque tient son gouvernement du pape directement, et c'est ce qui fait la constitution de l'Église. Il y a un pape, un seul pasteur, qui n'a pas besoin des évêques pour gouverner, qui peut gouverner seul. Et par là, on s'oppose à cette notion moderne de collégialité qui voudrait que le gouvernement dans l'Église se fasse par tous les évêques et au nom de tous les évêques. Non, l'Église est monarchique, tu es Pierre. Et en disant cela, notre Seigneur s'adresse à Saint-Pierre et non pas au collège des apôtres. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est à Saint-Pierre seulement qu'il dit « paix mes brebis ». Et donc, c'est sur le pape que se fonde toute l'autorité dans l'Église, ou que découle toute l'autorité de l'Église, le pape tenant lui-même son autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le pape est le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons déjà dit, sa seule mission, c'est de continuer la mission de notre Seigneur Jésus-Christ par la foi, et c'est ce qui définit le pape, par la foi et les sacrements. Et tout son gouvernement n'est centré que sur la foi et les sacrements. Voilà donc pour la constitution de l'Église.